séance extraordinaire du conseil municipal. Bonsoir tout le monde. À la séance extraordinaire du conseil municipal le 18 juillet 2018 à 19h30. À l'ordre du jour, au point 1. Entente entre Ville de Percé et Complexe Place du Quai, société en commandite relativement aux conditions de vente du lot 6 135 672 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Au point 2, entente avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, la CSN concernant le grief 2017-01. Au point 3, achat de camionnettes usagées GMC, Sierra 3500 4 portes 2013 avec équipement en neige de station-service La Jeunesse et Robichaud incorporé. Au point 4, appui à la société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, relativement à sa demande de permis au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour la circulation sur le territoire de la ville de Percé, dans le cadre du RAID international Gaspésie qui se tiendra en septembre 2018. Au point 5, point d'information concernant la convention avec le Club nautique de Percé relativement à l'occupation d'une partie du bâtiment, incluant des espaces extérieurs au 199 route 132 ouest à Percé, suivi d'une période de questions. Alors, on n'a pas adopté l'ordre du jour puisque... C'est un avis. C'est un avis. Alors, au point 1, entente entre la Ville de Percé et Complexe Place du Quai, société en commandite, relativement aux conditions de vente du lot 6 135 672 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. Alors, je vais comme suit. Considérant la résolution 2017-140 de la Commission municipale du Québec autorisant la signature de l'entente négociée avec Complexe Place du Quai, société en commandite, relativement à la vente d'une partie du lot 5 084 153, canton de Percé, maintenant le lot 6 135 672 au canal du Québec, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, considérant qu'au moment de la signature de cette entente, les parties avaient convenu de négocier ultérieurement entre elles une entente pour fixer le prix pour la cession de la parcelle de terrain requise par la Ville, considérant la résolution 041-2017 du Conseil municipal de la Ville de Percé approuvant l'entente intervenue avec Complexe Place du Quai, société en commandite, concernant le prix de cette cession, considérant les dernières négociations intervenues entre le cabinet Tremblay-Blois-Mignot-Lemay et Maître Robert Cardinal, procureur de Complexe Place du Quai, en vue de finaliser certaines questions qui étaient demeurées en suspens, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, que de l'acte de vente à intervenir entre Complexe Place du Quai, société en commandite et la Ville de Percé reflète le résultat des négociations intervenues entre Maître Robert Cardinal et Tremblay-Blois-Mignot-Lemay, soit assumation de responsabilité de la Ville depuis la prise de possession découlant de cette prise de possession et de son occupation, un ajustement du prix à 111 488 plus intérêt au taux légal depuis le 12 avril 2017, une assumation par la Ville des taxes scolaires impayées et ajustement au montant de 1 296 pour les taxes municipales, que Complexe Place du Quai renonce à toute réclamation de pénalités et d'honoraires, que la présente résolution abroge toute fin que de droit. À toute fin que de droit la résolution 041-2017 adoptée le 11 décembre 2017 et que Mme Cathy Poirier, mairesse, et Mme Gemma Vibert, greffière, soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir entre les parties. Autre. Merci, M. Sainte-Croix. Alors, au point 2, entente entre avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé concernant le grief 2017-01. Alors, considérant que le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé a déposé le grief 2017-01 le 11 septembre 2017, considérant qu'une audience devant un arbitre de grief était prévue le 10 juillet 2018, considérant que les parties ont convenu d'une entente hors cours, lequel comporte un engagement de confidentialité de part et d'autre, il est proposé que le conseil municipal approuve les modalités de règlement négociées et autorise Mme Cassipoirie, mairesse, et M. Justin Pitt, directeur général par intérim, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente à intervenir entre les parties et que les avocats de la Ville mandatés dans ce dossier, Morancy Avocat, soient autorisés à fermer celui-ci auprès de l'arbitre de grief. Je propose. Chéchine, merci. Au point 3, achat d'une camionnette usagée GMC Sierra 3500 4 portes 2013 avec équipement en neige de station-service La Jeunesse et Robichaud incorporé. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de station-service La Jeunesse et Robichaud à Terrebonne relativement à la vente d'une camionnette usagée
Sierra 3500 4 portes avec équipement à neige au prix de 39 900 plus TPS. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 39 900 par un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans à raison de 5 versements annuels égaux et consécutifs, donc de 7 980 sur les 5 prochaines années de 2019 à 2023. Madame Réal, merci. Au point 4, appui à la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer relativement à sa demande de permis au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour la circulation sur le territoire de la ville de Percé, dans le cadre du raid international Gaspésie qui se tiendra en septembre 2018. Donc, considérant le parcours du raid international Gaspésie, parce que le parcours du raid de Gaspésie, international Gaspésie passera sur le territoire de la ville de Percé le 7 et le 8 septembre prochain, considérant que la demande de permis au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports exige une résolution d'appui de la part de la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé que la ville de Percé donne son appui au raid international Gaspésie et autorise les mesures de sécurité prévues afin de ralentir la circulation et d'assurer la sécurité des athlètes et du public. Je propose. Monsieur Warren. Ah, c'est bon, Madame. Non, c'est correct. Madame Vibert. Merci. Au point 5, donc c'est un point d'information aussi concernant la convention avec le club nautique relativement à l'occupation d'une partie du bâtiment. Donc, écoutez, ce soir, c'est un point d'information que je tiens à faire concernant les dernières semaines, certaines rumeurs, certains propos qui ont été émis à l'égard de la ville de Percé et de moi-même. Donc, dans un esprit de clarifier et d'informer la population de ce qui s'est passé, je dirais, dans les derniers mois avec l'occupation du bâtiment par le club nautique, je considère que c'est très important parce que il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Je pense que on en est au point où les gens devront se faire leur propre avis, mais concernant les faits qui ont été, qui se sont passés dans les derniers mois. Donc, à ce sujet, écoutez, le club nautique a occupé le bâtiment anciennement propriété du ministère de l'Éducation. En 98, le ministère de l'Éducation, par un décret ministériel, a donné le droit au club nautique de Percé de devenir acquéreur et de prendre possession du terrain et du bâtiment qui était occupé dans l'espace qu'on connaît comme étant le club nautique. Depuis 1998, le club nautique n'avait jamais fait l'acquisition. Suite aux tempêtes et au projet de réhabilitation du littoral, les travaux à exécuter, le ministère souhaitait que la ville puisse devenir propriétaire. Et la ville a souhaité pouvoir devenir propriétaire pour faire l'exécution des travaux. À ce moment-là, le club nautique devait, puisqu'il était toujours lié par décret, devait renoncer aux privilèges qu'ils avaient d'avoir préséance sur le bâtiment. En mai 2017, donc en absence du conseil municipal dernier, une quittance a été signée, donc une entente à l'amiable a été signée devant le procureur pour que le club nautique renonce au décret qui leur donnait préséance sur le bâtiment en échange de une occupation dans le garage municipal pour la saison 2017. Ensuite, une occupation qui pourrait avoir lieu dans le bâtiment à construire à partir de 2018. Sur ce, il y avait aussi une radiation au fait de la taxe municipale que le club nautique avait comme dette auprès de la ville, qui étaient les taxes de 2007, 2008 et de 2009. En 2009, le club nautique avait fait une demande à la commission municipale pour avoir une exemption de taxe, ce qui leur a été accordé par la commission municipale. Donc, c'est pas la municipalité qui choisit de faire une exemption à un organisme, c'est la commission municipale qui le fait. Le dû qui était à ce moment-là pour les taxes impayées était de 59 620 $ et jusqu'à maintenant, avec les intérêts, cumulait un montant de 110 000 $. Donc, cette quittance a été signée en mai dernier dans l'intérêt commun. Je pense que tout le monde était d'accord et tout se déroulait bien. Donc, le club nautique a occupé les bâtiments municipaux du garage municipal.
À ça, il y a eu des frais qui ont été encourus, qui n'ont pas été engagés par la municipalité. Donc, c'est le ministère de la Sécurité publique, toujours avec de l'argent public. Par contre, c'est le ministère qui a pris en charge le déménagement du club nautique et le réaménagement des lieux. Donc, pour un montant de 149 112 $ qui a été fait là, pour relocaliser le club nautique. À ça, dans l'ancien bâtiment, il y avait un compresseur qui était propriété de la ville, qui était utilisé et par le club nautique, qui était propriété du club nautique. Excusez-moi, excusez de l'erreur. Donc, qui était propriété du club nautique, qui était impossible à déménager. Donc, le ministère de la Sécurité publique, encore une fois, a fait l'acquisition d'un nouveau compresseur pour un montant de 94 300 $ au nom du club nautique, qui a été aussi au-delà du 149 000 aménagé dans le bâtiment là-bas, du garage municipal. En 2018, on devait avoir une entente. On a débuté les négociations à partir de, je dirais, l'hiver, probablement au courant du mois de janvier, les négociations pour avoir un bail ou une convention d'occupation avec le club nautique dans les nouveaux locaux. Ce qui a été proposé à ce moment-là, c'est une occupation qui était, je dirais, presque complète du bâtiment municipal, qui, lui, a été construit pour une valeur de 2,25 millions de $. Donc, il appartient à la municipalité. Quand les négociations ont commencé, le club nautique, qui avait, lui, eu un privilège dans le passé d'avoir un décret et avoir l'occupation, qui avait renoncé entre-temps, souhaitait avoir une occupation des lieux à vie. Donc, c'était difficilement concevable pour ma part et pour l'ensemble du conseil municipal que nous puissions avoir une entente à vie avec un organisme à but non lucratif dans un bâtiment municipal. On a fait des propositions, on était en négociation assez longtemps. Il y a eu plusieurs échanges qui ont été faits. On a fait une proposition pour une convention d'occupation sur 10 ans qui allait être renouvelable, dans laquelle on ne voit pas la raison pour laquelle elle n'aurait pas été renouvelée, mais on ne connaît pas l'avenir. Donc, une entente de 10 ans au montant de 15 000 $. Comment nous en sommes arrivés à un montant de 15 000 $? Nous avons fait faire un estimé des coûts qui seraient pour les opérations du bâtiment. Donc, sans avoir de valeur marchande pour le club nautique, au fait, ce qui était très primordial et très important, c'est que le club nautique puisse défrayer les coûts du bâtiment avec un estimé qui aurait pu être ajusté dans les années à venir. À ce moment-là, le club nautique est considéré qu'il devait payer une partie du bâtiment, mais 15 000 $, nous avons reçu une réponse par voie de mise en demeure, nous disant que la somme était considérée excessive et abusive. Encore une fois, il y a eu d'autres négociations en disant, écoutez, si vous ne voulez pas payer le 15 000 $, comment on peut s'entendre? S'il y avait une capacité de paiement moindre, on a proposé une occupation de superficie moins grande pour avoir à ce moment-là le hall qui est la partie vitrée qui donne sur la promenade. Donc, la municipalité pourrait récupérer la partie du hall, qui toutefois, pendant les premières négociations, à 15 000 $ était considéré qu'il aurait pu avoir un échange également. Donc, je pense que c'est les faits. Je pense que c'est très important de les mentionner à l'ensemble de la communauté pour qu'on puisse avoir un avis sur... que chacun puisse se faire son propre avis. Je tiens à mentionner que l'intérêt de la municipalité a toujours été de collaborer et est encore une fois de collaborer. On est très conscient et on est reconnaissant envers l'offre touristique que le club nautique offre dans la municipalité, autant pour l'offre elle-même que pour l'industrie touristique en général. Toutefois, on ne peut pas négocier avec un organisme à but non lucratif une entente d'occupation où les contribuables auront à défrayer des frais. Maintenant, on a, pour remettre les pendules à l'heure et où nous en sommes aujourd'hui, on a une entente provisoire avec le club nautique. Donc, nous nous sommes entendus pour une entente d'occupation pour la saison 2018. Le club nautique, on aura avec eux l'occasion de renégocier d'ici le 30 novembre une occupation à plus long terme. Mais je pense que le but et l'objectif de tout ça, c'est que tout le monde en sorte gagnant, heureux, autant le club nautique que l'ensemble des citoyens.
c'est notre objectif, je dirais, principal. Tout ce qui a été négocié dans l'ensemble du projet de réhabilitation du littoral, entre autres avec les propriétaires riverains, c'est fait dans le respect. Tout le monde était content et satisfait, je pense, des retombées de tout ça. Alors, c'est ce qu'on souhaite pour l'avenir. Je trouve regrettable les propos qui ont circulé dernièrement, comme je le rementionne, à propos de l'ensemble de l'administration de la ville de Percé, comme l'ensemble des conseillers et de moi-même. Donc, dans un avenir proche, j'espère qu'on arrivera à une entente où tout le monde pourra être satisfait et que l'ensemble des citoyens en tirera son compte, tout comme le club nautique et ses opérations. Alors voilà, c'est une mise au point que je considère importante à ce jour. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter? Je trouve que c'est une bonne mise au point, puis je pense que ça devrait être fait. Moi, j'invite éventuellement le club nautique sur la place publique à expliquer leur point de vue, question de permettre à la population d'avoir leur juste. C'est bien. Ça va? Ça va pour tout le monde? Alors, merci. Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Non, pas de monsieur, vous avez un point d'information? Oui. C'est juste pour informer la population. Demain matin, une conférence de presse pour dévoiler la programmation de la biennale in situ à Barachois. C'est au centre communautaire à 10h30. Après, ça va être suivi d'inauguration d'une exposition photo qui va être au deuxième étage du magasin général Robin. Alors, tout le monde est invité, c'est public. Et pour l'information, j'invite les gens à visiter la page Facebook Barachois Institute. Toute l'information est là. Merci. Très bon point. Merci, monsieur. Alors, levée de l'Assemblée, monsieur Warren? Oui. Parfait.